Je me reconnecte, je recommence ma vidéo. Ça a coupé. Effectivement, on est dans les villages, il y a peu de. On capte pas beaucoup. Donc voilà, je recommence. Donc nous voilà à Juvigny-le-Tertre, dans le sud Manche, dans les hauteurs du sud Manche. Voilà, où il y a un peu une espèce de santé, où il y a un Cooksy Market, quelques commerces de proximité. Et il y a nous, l'opticien ambulant, qui sommes là depuis bientôt 2 ans maintenant, avec Renaud dedans. Voilà, donc ce matin, je voulais vous faire une petite vidéo pour monter le service Lilleo. Service Lilleo, c'est quoi? C'est un service qui permet en fait, qui est fait pour les déserts médicaux, ce qui tombe très bien, parce qu'on intervient dans des communes entre 500 et 1000 habitants toute la semaine. Donc voilà, on est vraiment dans le cœur de la cible. Lilleo, c'est une plateforme en fait où on prend toutes les mesures. L'opticien prend toutes les mesures nécessaires pour que le client puisse bien voir, surtout. Et puis voilà, donc il y a cet appareil qui s'appelle l'autoréfracteur. Celui-là, il est mobile, c'est-à-dire qu'il est spécialement fait pour se déplacer à domicile ou dans le camping-car. Voilà. On prend les mesures avec ça et on suit avec tout un essai de verre avec le client, voilà, qui, et puis à la fin on remplit un questionnaire, on remplit une plateforme. Sur la plateforme, on vient remplir la correction, on vient remplir un questionnaire de santé qui est fait avec le client sur les pathologies qu'il peut avoir. Et puis le client signe le questionnaire de santé et on a une réponse sous 48 heures si l'ordonnance est acceptée. Alors l'intelligence artificielle intervient dans le questionnaire de santé pour savoir si le dossier est conforme ou non conforme, ce qui me permet de savoir si on renvoie le client vers un ophtalmo en physique ou si on continue sur la vente d'une paire de lunettes. Voilà, tout ça pour que le client ait une première vision, on va dire, entre guillemets, des choses et qu'il ait un premier diagnostic surtout, quoi. Voilà, donc s'il y a quelconque pathologie, donc c'est renvoyé vers un ophtalmo physique. Aujourd'hui, 90% des gens, c'est du renouvellement de monture à verre. Et voilà, donc on sait bien sûr d'aller voir un ophtalmo tous les 3 à 5 ans, surtout la tension dans les yeux, chose que nous on fait pas, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous au camping-car avec Renaud. Vous passez voir Renaud, vous pouvez l'appeler. Renaud a donné son numéro de téléphone. C'est un 06 15, quelque chose comme ça. Voilà. Donc 06 15, je vous mets la petite carte de visite, voilà. Donc 06 15 80 59 06. Donc du coup, vous appelez Renaud pour prendre un rendez-vous. Et puis, vous pouvez aussi appeler au magasin à Saint-Hilaire-du-Harcouët, 02 33 48 31 42, ou sur toutes les autres boutiques. Et on prendra rendez-vous pour Renaud et on lui transférera le rendez-vous. Voilà. Vous pouvez aussi passer, si Renaud a personne, il vous prendra aussi en direct, comme il fait déjà depuis 2 ans. Donc n'hésitez pas, c'est un service qui est gratuit, hein. Ça permet déjà un premier dépistage, c'est ouvert à tous les plus de 18 ans, ça c'est des choses importantes, parce qu'on ne fait pas les enfants, et ce qui est normal, les enfants ont besoin d'avoir un rendez-vous physique avec un ophtalmo, leur vue est sensible, et surtout ils ont besoin d'être vus au moins tous les ans à partir de 10 à 12 ans, voilà. Voilà, et ben belle journée à tous. On se revoit tantôt pour ceux qui sont à Saint-Hilaire et pour les autres, et ben à très bientôt. Merci.